sans rendez-vous. 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle entre en scène tous les jours à la fin de cette émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on a une question de Lionel que je vous lis tout de suite avec ma femme. Nous avons un couple d'amis qui nous fait régulièrement des allusions sexuelles. J'ai vraiment peur qu'il nous propose un plan à plusieurs. Comment dois-je réagir si la situation se présente? Alors bon, peut-être qu'ils vont rien leur proposer, mais admettons, Catherine, ils ont l'air quand même plutôt gênés. Comment réagir si ça doit arriver? Alors bon, déjà on verra bien si ça arrive, mais si ça arrive, ils vont faire quoi? Alors d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais, je trouve intéressante l'idée que parce que des gens font des allusions sexuelles, que ça amène à cela. Parce qu'en réalité, on est dans une société aujourd'hui où les gens se croient du devoir de parler de sexualité pour prouver qu'ils sont cool, qu'ils sont hyper ouverts, qu'ils sont hyper détendus, qu'ils sont hyper épanouis, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont prêts à partager. S'il le faut, ils n'ont pas du tout prévu de faire un pan à plusieurs. Voilà, ils partagent leur idée d'eux-mêmes, leur idée de compétence et pas nécessairement leur lit. Et puis, il y a une autre chose, c'est que quand on pense que l'autre, parce qu'il nous sourit ou parce qu'il nous parle ou fait des allusions de la sexualité, est en train de nous allumer, ça pose plutôt la question du besoin que nous avons de voir systématiquement les rapports sexués. Et donc, si on me regarde en me souriant, c'est bien sûr qu'on me désire. Si on me regarde et qu'on est en train de me parler de sexualité, c'est bien sûr qu'on nous désire, le couple. Et ce n'est pas toujours le cas. Hein, mais donc, attention. Parfois, ce sont nos propres projections. Pardon, oui, mais il y a une frontière peut-être entre parler de sexualité. C'est vrai qu'on vit dans une société où on parle beaucoup de sexe. Bien et faire sûr. Des allusions sexuelles. Là, si le couple a l'impression... parle de triolisme ou de choses comme ça, peut-être. Oui, peut-être que là, il y a vraiment quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on désamorce la situation? Est-ce que, si c'est des amis, il faut leur dire cash, mais on risque de les brusquer, donc c'est compliqué. Je crois que plus c'est simple, mieux ça passe. C'est-à-dire, ouais, je vois bien, ou c'est vrai que... passer le message qu'on n'est pas ouvert pour des plans échangistes. Oui, comme ça, sans leur dire, vous nous avez proposé... Vous allez nous proposer quelque chose, on le sent bien, alors que c'est faux peut-être. Oui, ou sans dire même jusque-là, en disant oui, je comprends bien qu'il y en ait qui adorent ça. Moi, ça serait pas du tout mon truc, par exemple, mais effectivement, c'est une idée super, et puis c'est bien que les gens s'éclatent d'une manière ou d'une autre. Mais moi, vous franchement. Tout le monde passe pour des gens cool. Voilà, tout le monde est cool. Moi, voilà. C'est pas mon truc, mais je suis géniale. Toi, peut-être ton truc, mais t'es géniale aussi. On dit même pas que c'est ton truc, c'est peut-être le truc de certains, et ça, c'est super, tant mieux pour eux. Mais est-ce que c'est pas maladroit de faire des. Même s'il n'y a pas de proposition derrière? N'est-ce pas maladroit de faire des allusions sexuelles lorsqu'on est avec des amis? Est-ce qu'on ne casse pas un code de l'amitié? Est-ce que cette frontière est dépassée lorsqu'on commence à faire, pas des propositions, mais des sous-entendus un peu particuliers? Ou c'est libre à chacun? Peut-être qu'on n'a pas tous la même définition de l'amitié. Et puis en plus, vous soulevez une question qui est une question plus générale, Jimmy. C'est que finalement, aujourd'hui, on est toujours dans la crainte de tout ce qui pourrait apparaître comme étant une invitation, une allusion à une possibilité derrière. Or, il faut bien sortir du bois à un moment. C'est vrai pour la drague, c'est vrai. C'est-à-dire que si, parce qu'on a des amis, on ne peut pas parler de sexualité, parce que je désirerais un de mes amis et que je voudrais lui montrer qu'il me plaît, si je ne peux pas l'évoquer, il ne le saura jamais. On restera tous enfermés dans nos boîtes à chaussures les uns et les autres. Donc, évidemment qu'on sort du bois. La question, par contre, qui est inappropriée, c'est quand, évidemment, je vais dire, alors que l'autre montre des signes évidents de résistance, et que je suis lourdingue à vouloir rentrer dans son univers où j'impose mon intimité dans son intimité. Et c'est là qu'en effet, comme vous le dites très justement, nous n'avons pas les mêmes notions d'amitié, puisque là, c'est de l'envahissement, de l'intimité, la subtilité de l'autre. Et justement, s'il devenait trop insistant, c'est ce couple d'amis qui peut-être, on n'a pas le détail exactement des propos, mais c'est peut-être qu'ils insistent effectivement sur leur désir d'un jour partager des choses avec d'autres, etc. Et qu'un jour, ils en viennent à leur en parler. C'est peut-être aussi un moment d'arrêter cette amitié, peut-être, hein, parce que finalement, on n'est pas obligé d'arrêter, mais on n'est plus cash. On dit, écoutez, je crois bien qu'il y a des choses qui vous plaisent beaucoup, mais nous, ça nous ennuie. On ça nous met mal à l'aise aussi, on peut le dire. Et on a envie de parler d'autre chose. Sinon, on est dans de l'exhibitionnisme, et du coup, on met l'autre dans une position de subir. C'est exactement comme l'exhibitionniste du jardin public qui impose la vue de son corps, la vue de sa nudité ou de son sexe, alors que l'enfant ou l'adulte n'a pas du tout le souhait d'y être confronté. Et ça, c'est aussi vrai chez nos amis, avec nos amis ou avec notre fratrie ou avec nos parents. Pareil, des parents qui seraient nus dans l'environnement, on peut pouvoir dire aussi qu'on ne le souhaite pas, que ce n'est pas de son désir et c'est gênant pour soi. Et la sexualité entre amis, ça reste à bannir ou est-ce que c'est quelque chose qui peut, je vais pas dire renforcer une amitié ou malgré tout faire que on reste toujours autant amis si jamais on décide de passer le cap
D'un plan à... Ah, je ne sais pas combien, 4, là, faut compter. C'est sûr que, en fait, c'est un peu, vous souvenez, quand les adolescents disent je ne veux pas sortir avec lui parce que c'était mon copain, quand on ne sera plus ensemble, on ne pourra plus se voir, etc. C'est sûr qu'il y a une histoire commune. Je préfère qu'on reste amis. Voilà, je préfère qu'on reste amis parce que je ne voudrais pas abîmer cette amitié. C'est sûr qu'à partir du moment où on a partagé une intimité, la question n'est pas ce qu'on a partagé, c'est ce qu'on aura loupé. Mmh. Ou comment on se sera arrêté. Et c'est ce comment on se sera arrêté qui fera qu'on aura toujours cette histoire entre nous, ou ce qu'on aura loupé qui fait qu'on aura toujours cette histoire entre nous et qui peut évidemment rendre l'amitié un peu plus compliquée. Mmh. Mais si après il y a des gens qui sont tambour battant dans la liberté de leur sexualité pour un temps X et il y a un début, une fin et ils sont paisibles et ce fut un moment joyeux de leur vie, eh bien pourquoi pas. Et là c'est liberté, liberté chérie dans la mesure où ce sont des gens consentants et adultes. Et des adultes, voilà. Merci beaucoup Catherine pour ces précisions, merci pour vos conseils.